Ozala monopoli kwala, kombo na yo kongole. Bafili bakute bakuni, bozali bakongole. Mokili na biso esala maboye, Nzambe alinga pe boye. Mokili esala maboye, Nzambe alinga nde boye. Beto ku Congo batele ta seno kintwadi. Bungu kintwadi ku Congo kakwena lisa mbuko. Ayo modiongo batele ta seno kintwadi. Bungu kintwadi ku Congo kakwena lisa mbuko. Tabati ye teke kwa kumbu ni Congole. Tabati ye mbeloshi kwa kumbu ni Congole. Tabati ye ndari kwa kumbu ni Congole. Tabati ye mbembe kwa kumbu ni Congole. Tabati ye vomita kwa kumbu ni Congole. Bafili bakuta bakuni kumbu ni Congole. Siete boye ilamana zambi boka zolo. Siete boye ilamana zambi boka zolo. Kila miso ye salama boye, Nzambe alingane boye. Chers palabreurs et chères palabreuses, aujourd'hui nous avons un sujet précieux, un sujet éminent, parce que vous savez que il est toujours important qu'on puisse discuter. Nous allons parler sur les religions qui sont existentielles dans notre pays. Ces religions qui ont vraiment un caractère parfois obscur pour certains, mais qui aujourd'hui, vous le savez très bien, posent aussi plusieurs questionnements. Bonjour mon frère Géry, bonjour Igor Mbon Gérard, bonjour notamment à tous ceux qui sont connectés, qui vont nous suivre. Donc n'hésitez pas de poser vos questions qui seront relayées. Je ne serai pas seul, je serai accompagné du chercheur Abbé Nsangou, celui qui personnellement n'hésite pas de partager avec nous ses recherches sur la religion et notamment ce qu'il pense de progrès d'une manière sociétale hein, sur la foi en Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet toujours religieux. Nous parlerons bel et bien du regard que chacun de nous peut avoir sur les religions à tendance traditionnelle d'Afrique. Donc aujourd'hui, on va poser un peu nos yeux sur Monsieur Émile, sur les Ngunza, sur toutes ces religions-là qui sont en train de naître ici-là dans notre société. Question de mieux savoir concrètement peut-être leur importance aussi, mais quels sont l'apport que ces religions à tendance traditionnelle d'Afrique peuvent notamment nous octroyer de magnifique dans le progrès de notre cité. Donc, on va tourner sur ces questions et je n'oublie pas aussi de dire à tous ceux qui vont nous suivre de ne pas hésiter aussi de mettre dans les commentaires leur avis ou les questions qui peuvent notamment être relayées dans cette discussion. Donc, on va essayer ensemble de comprendre vraiment la pensée régnante de ces religions. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a comme l'impression que ces religions à tendance traditionnelle d'Afrique sont souvent considérées comme étant des religions propices pour le progrès, sans doute, de notre cité. Mais malheureusement, vous savez très bien, il y a encore la misère qui règne, il y a encore notamment beaucoup de problèmes sociaux qui notamment sont en train de se pérenniser dans notre société. Donc, on aimerait bien savoir, est-ce que ces religions à tendance traditionnelle d'Afrique ont vraiment leur importance? Ou c'est simplement aussi des religions qui viennent davantage abêtir les Africains. Donc on va essayer un peu de discuter sur ces thématiques de la religion parce que c'est toujours important, c'est toujours meilleur que nous ne puissions pas mettre dans les oubliettes ces sujets sociaux. Donc sans tarder, je veux recevoir mon invité que vous connaissez très bien, qui n'est plus à présenter. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un jeune chercheur, bien sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la religion, et c'est quelqu'un qui aimerait apporter à ses compatriotes ses pensées bel et bien sur la religion.
et ses recherches qu'il réalise à chaque instant sur les religions. Donc c'est M. Nsangu, qui est avant tout un Congolais véridique, un Congolais qui refute que ses compatriotes puissent être dans l'ignorance. Donc, c'est vraiment une joie pour moi de discuter souvent avec lui. Donc, Mpusi Nsangu, notre chercheur, l'homme de Dieu qui veut combattre l'ignorance sur la religion, sera mon invité. Donc, nous allons discuter avec lui sur ses religions à tendance traditionnelle d'Afrique. Parce que c'est important que nous puissions connaître concrètement leur importance, bien sûr, mais leur apport sur le progrès de notre cité. Donc, sans hésiter, je vais l'inviter pour qu'il puisse discuter avec moi, pour qu'on puisse ensemble mener ces débats. C'est toujours important. C'est toujours important. Mais en attendant, je vais simplement vous rappeler les minots artistes de notre cité que certains ont peut-être oublié et que d'autres ne peuvent sans doute pas ignorer. Monsieur Jacques Lobelon. Vraiment, c'est merveilleux. Il faut toujours écouter ces messages que ces artistes éminents nous laissent. Jacques Lobelon, vraiment, tu resteras jamais dans nos cœurs parce que tu as laissé une chanson révolutionnaire, une chanson historique, une chanson qui notamment nous donnera toujours le courage de se battre pour l'unité et le progrès de notre pays. Vraiment, Jacques Lobelon, tu ne cesseras pas d'occuper nos pensées parce que tu as été un musicien qui a su nous prouver l'amour de la patrie. À travers tes chansons, tu nous as notamment octroyé que nous ne devons pas s'éloigner de l'attachement patriotique que chaque Congolais doit incarner envers le Congo. Même si aujourd'hui, nous avons des gouvernants véreux qui veulent nous détourner de cette pensée unitaire que nos aïeux se sont battus à construire dans notre société. Donc Jacques Lobelon, tu resteras jamais dans nos cœurs parce que ce que tu as fait sur terre a été notamment un acte qui a rehaussé notre fierté patriotique. À travers cette chanson Congo Akoloba, tu nous as montré avec allégresse que nous sommes des Congolais qui doivent avant tout se battre pour l'unité et que on n'est pas un peuple barbare. Congo Akoloba, Nzembo Moko Kitoko, il y a Papa Jacques Lobelon,
qui nous a bel et bien quittés, mais qui restera jamais dans notre cœur parce que c'est quelqu'un qui a rendu gloire à l'unité de notre cité. C'est quelqu'un qui notamment a chanté avec alacrité le progrès de notre pays. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la religion qui aujourd'hui dans notre société pose beaucoup de questionnements. C'est important qu'on puisse discuter sur cela. Grand débat aujourd'hui. Ozalakangunza yakawa. Oh, moi je crois à Tata Emile Lumbuti Zonza Tuzonza. Parce que il y a maintenant beaucoup de gens qui sont aveuglés par ces gens-là qui veulent nous faire comprendre que ce sont des dieux de la race noire. Mais quand on réalise un peu la jugeote de leur disible, il y a du vide. Donc aujourd'hui, on va parler des Ngunza, on va parler de Mwanansemi, on va parler de toutes ces religions-là d'Afrique, notamment du Congo, qui veulent nous faire croire que ce sont des religions fortes, au moment où, lorsque on réalise un peu la jugeote de leur disible, il y a beaucoup de questionnements. Donc, mon invité va bientôt apparaître. Oh là 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 là. Donc, Bangunza Izenoku. Boba Wakatata Emile Izenoku. On a besoin de vous ici. On a besoin de vous ici. Venez, on va discuter. Oh. Donc, on va parler sur ces sujets-là qui sont en train de marquer notre société. Ce ne sont pas des sujets moindres. Pas des sujets moindres, comme j'étais en train de dire. Ce sont des sujets qui marque en quelque sorte aussi le progrès sociétal de notre cité. Nous allons parler de cela. Mon invité va bientôt se connecter. Donc il y a une multitude de questions qui se posent sur ces religions. Et c'est important qu'on puisse parler de cela. Bonjour, bonjour mon frère. Bonjour, très cher journaliste Levan Valentin. L'arbre à palabre et bonjour à toutes ces personnes qui disposent de leur temps pour nous suivre. Toutes mes chaleureuses salutations. J'ai comme l'impression de t'écouter un peu d'une voix basse. Je ne sais pas si c'est de mon côté, mais ceux qui nous suivent pourront notamment écrire dans leurs commentaires. Donc, il y a une multitude de questions qui se posent aujourd'hui concernant ces religions à tendance traditionnelle d'Afrique, donc notamment les religions qui se réalisent au Congo par nos compatriotes. On va commencer d'abord par les Ngunza. Est-ce que pour toi, tu trouves que on peut attaquer cette religion des Ngunza comme étant une mauvaise religion? Alors, je vois que la question est posée droit au but, voyez, hein, où il est question vraiment que je donne mon avis. Est-ce qu'il faut attaquer les Ngunza? Ben, j'aimerais, si vous me le permettez, dire un mot avant de répondre à cette question pour mieux la comprendre. Exactement. Aujourd'hui, nous partons dans un contexte selon lequel l'Afrique est le berceau de l'humanité. Là, tous nous sommes d'accord, aussi bien écrivains, intellectuels, hommes libres. Nous connaissons que l'histoire de l'humanité a commencé en Afrique. Personne ne nous dira le contraire. Et si tant est vrai que l'histoire de l'humanité
aurait commencé en Afrique pour parler comme des scientifiques. Comment cela se fera que toutes les religions que nous vivons sont des religions apparemment à caractère occidental? Finalement, quelle était cette religion que nos grands-parents, qui finalement, eux, sont les premiers hommes sur la Terre, ont pratiqué? C'est à partir de ce niveau-là, que nous, dans ce contexte, que nous pouvons traiter la question de la religion traditionnelle ou de la religion Congo et par ricochet de tout ce que nous pouvons appeler les Kingunza. Parce que le Kingunza n'est pas aussi cette religion pratiquée par nos ancêtres. La religion pratiquée par nos ancêtres, c'était plutôt une spiritualité Congo, qu'on peut dire, une spiritualité originelle. Mais le Kingunza est une sorte de dérivé dans cette spiritualité-là pratiquée par nos ancêtres. Et comme aujourd'hui, on parlera du christianisme, le christianisme a commencé avec une église mère qu'on appelait l'église catholique et apostolique, mais cette église a généré d'autres églises, vous voyez, d'autres églises qui existent. Aujourd'hui, quand on parle des protestants, des pentecôtistes, ben, tous viennent de cette matrice du christianisme et de cette mère qui est l'église catholique, l'église catholique. C'est la même chose avec la religion Congo. La religion Congo, Bundudia Congo, c'est cette religion pratiquée par nos ancêtres. Et dans cette religion, aujourd'hui, nous avons autant de dérivés, autant de déviances, mais qui mettent en mal, finalement, cette vraie religion pratiquée par nos ancêtres. Ce que nous vivons aujourd'hui, pour répondre finalement à votre question, est-ce qu'il faut attaquer ces Kingunza? Ben oui, parce que si nous les laissons évoluer, il faut couper l'arbre quand il est encore le mauvais arbre, il faut le couper quand il est petit. Parce que c'est un mouvement très erroné, un mouvement très qui croit connaître, mais qui ne connaissent pas. Qui croient avoir la maîtrise de la chose, mais alors qu'ils n'ont pas la maîtrise de la chose, et finalement, ils véhiculent ce qu'on peut appeler des connaissances erronées, fausses. Et jusqu'à... Lorsque tu dis qu'ils sont en train de véhiculer des connaissances erronées, tu veux simplement par là dire que ce sont des gens qui doivent encore apprendre ou ce sont des gens que nous devons simplement faire comprendre que ils n'ont pas assez de connaissances, donc ils doivent cesser de leurrer les Congolais. Alors, il faudrait plutôt leur montrer la vérité. C'est-à-dire que ce que vous croyez est, entre guillemets, vrai, mais vous pratiquez cette religion avec autant de fausseté. Autant de fausseté. Aujourd'hui, par exemple, puisque nous parlons notre regard sur les religions à tendance traditionnelle, nous avions cité quelques religions. Pour être plus précis dans notre émission, j'aimerais qu'on parle vraiment une par une et montrer finalement leur incompatibilité et comment ils sont dans le faux. D'accord? Mais pour comprendre qu'ils sont dans le faux, il faudrait savoir qu'est-ce qui est vrai. Vous voyez? Qu'est-ce qui est vrai dans la religion Congo? Et finalement, à la lumière de ce qui est vrai, comprendre comment ce que nous vivons aujourd'hui, apparemment, est loin de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire, mon le Valentin? Donc, si vous voulez, en 2-4-2, comme disent nos amis du français raccourci, la religion Congo, c'est quoi? Ce qu'on appelle le Congo d'Yantotila. C'est-à-dire que il faut comprendre que c'est cette religion pratiquée par nos ancêtres. Et tous, nous sommes d'accord que le royaume Congo a existé en parallèle avec d'autres royaumes. Parce que le royaume Congo a existé aussi, il y avait d'autres royaumes dans d'autres contrées du monde. Donc, au même temps qu'on parlait de l'empire colonial français, ben, nous aussi, en Afrique, on avait notre empire Congo. Il y avait d'autres empires, vous voyez? Et les missionnaires qui sont venus dans l'idée d'étendre leur empire, ben comment étendre leur empire? Ben il faut piétiner les empires des autres.
Il faut annexer les empires des autres. Mais c'est la logique actuelle d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle de la progression de l'OTAN, mais c'est vouloir avoir plus de pays verts, vouloir beaucoup d'alliés. Et c'est dans ce contexte-là, géopolitique, que s'est réalisé mais, toutes les explorations des impérialistes coloniaux vers des peuples qu'ils avaient, eux, envie de dominer. Et puisqu'ils sont venus, parlons très conceptuellement du royaume Congo, puisque c'est de là que viennent ce syndrome Congo, vous avez assez de religions Gounza, ainsi de suite. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un empire bien constitué. Vous voyez? Mais à cette époque, les impérialistes coloniaux qui venaient, ben finalement, pour mieux combattre une contrée, ben il fallait avoir des gens formés. Parce que vous allez en exploration, vous allez vers d'autres terres qui ne vous appartiennent pas. Vous ne connaissez pas la moralité de ce peuple. On n'enverra pas n'importe qui. On enverra en mission une personne bien aguerrie. C'est là que venaient finalement ces missionnaires bien formés, à la fois militaires que religieux, fraternels, très mystiques, qui sont venus trouver cette religion-là. Et quand ils arrivent, ils ont trouvé, comme je dis, un royaume bien constitué qu'on appelait le royaume Congo, Congo d'Antotila. Et tous ceux qui appartenaient au Mvilaza Congo, Mvilaza Congo, ça veut dire la lignée du royaume Congo, vivaient dans un même pays. Le pays, c'était le royaume Congo, Congo d'Antotila, l'empire fédéral Congo. Et cet empire fédéral Congo, pour ceux qui n'aiment pas vraiment l'histoire, il faut connaître que actuellement, c'est les pays, la République démocratique du Congo, tout l'Angola, la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville, le Gabon et le sud du Cameroun. Ça formait ce qu'on appelle l'empire colonial, l'empire fédéral Congo. Et tous les Bakongo, à ne pas confondre avec les Bakongo du sud de Brazzaville, mais tous ceux qui vivaient cet espace congophone, ça veut dire que tous les cinq pays que j'ai cités actuellement, on les appelait les Congos. Vous voyez? Les Congos. Et dans ce royaume, tous les Bakongo avaient une religion. Ce qu'on appelle le Kinzambika Congo, c'est-à-dire la religion Congo. Vous voyez? Comme ça, on va comprendre le contexte. Et cette église Congo, donc ce qu'on appelle Bundudia Congo, qui aujourd'hui est beaucoup plus propulsée par l'honorable Nemoine Nsemi, parce qu'il faut dire qu'il n'est pas lui le fondateur de Bundudia Congo aussi. Le Bundudia Congo a existé depuis la création du royaume Congo, depuis les années-lumière. Nos ancêtres, ils avaient le Kinzambika Congo, les Nzingankouvu et autres avaient le Kinzambika Congo qui s'appelle Bundudia Congo. Vous voyez? Et qui nos ancêtres priaient? Ben, nos ancêtres priaient un être céleste qu'on appelle Nzambiampungu Tulendo. Et en français, Nzambiampungu Tulendo veut dire Dieu éternel et tout-puissant. Vous comprenez comment ça devient intéressant? Oui, je vois. Et finalement, comment s'organisait cette église qu'on appelle Bundudia Congo? L'église était gérée par ce qu'on appelle Ntsaku Nemvunda, le grand prêtre. Ntsaku, c'est notre ancêtre, Ntsaku du royaume Congo, et celui qui gérait le Kinzambika Congo. Vous voyez, celui qui était le grand prêtre dans le royaume Congo. Et il était en même temps le conseiller principal de Totela Congo, qu'on appelait Mani Congo, c'est le roi Congo. Il avait son conseiller spirituel, qu'on appelait Nsaku. Vous voyez? Et finalement, cette église a existé. Et quand les missionnaires sont arrivés, à la limite, voilà pourquoi, quelquefois, lorsque je fais des débats avec des amis et confrères aînés prêtres, docteurs en théologie catholique, je leur dis que la mauvaise mission de l'évangélisation en Afrique était le fait que ces missionnaires n'avaient pas compris nos us et coutumes. Ils sont arrivés dans l'idée de venir nous prêcher un Dieu, croyant que nous, on ne connaissait pas Dieu. Mais alors que
Nos ancêtres connaissaient déjà Dieu, priaient déjà Dieu. Le Dieu qui nous a amenés, nous, on le priait déjà avant eux. Mais il y a, y a Luc Ogania qui dit, est-ce que notre religion était essentiellement monothéiste? Alors, voilà, mais mon frère nous fait rentrer. Merveilleuse question, mon frère. On passe de ta question dans le vif du sujet. C'est là le problème. Cette religion Congo était une religion, c'est la première religion monothéiste au monde. Au monde. Parce que, si vous connaissez l'histoire, nos amis grecs, ils étaient polythéistes. L'Occident était polythéiste. L'église catholique romaine, qui croit être la première église monothéiste au monde, mais c'est faux. La Rome antique, c'était polythéiste. D'accord? Eux, ils sont venus se convertir au monothéisme bien après. Mais la première religion monothéiste au monde, ben, ça vient d'Afrique. C'est nos grands-parents qui ont, eux, les premiers, cru en une sorte de religion monothéiste. Et aujourd'hui, quand ils sont arrivés, faut comprendre aussi que nos grands-parents avaient une, ce qu'on appelle la connaissance orale. Ils n'avaient pas les écrits. Ils Ils n'avaient pas étaient. les textes. Et les textes, mais oui, il n'y avait pas la connaissance scripturaire, c'est-à-dire qu'ils n'écrivaient pas. D'accord? Et donc, quand le missionnaire arrive, il vient trouver le roi Dzingankouvu, il vient les trouver, il dit, je viens vous apporter un dieu. Mais si Dzingankouvu, à cette époque-là, était intellectuel comme nos présidents aujourd'hui, mais il devait lui dire, ben, c'est quoi ton dieu? C'est quoi cette religion que vous m'apportez? Non, c'est croire en un dieu unique. Mais on dit, ben, Dieu unique, c'est ce que nous croyons déjà. Ou encore, j'ai dit, non, je vous apporte un Dieu trinitaire, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui forment un seul Dieu. Mais notre roi devait simplement lui dire, mais je crois déjà en ça, parce que dans ma culture, on appelle ça Makukuma Tatuma Lamba Masikimisa Kong. Parce que les trois pierres de cuisine qui soutiennent la marmite, mais c'est la Trinité. Mais puisqu'ils sont arrivés, ils croyaient en des choses sans en avoir la connaissance en profondeur. Et vu que les missionnaires aussi étaient venus dans la mission de profiter de nos richesses, mais il faut leur désintéresser de leur croyance. Vous voyez? Parce que cette croyance, n'oubliez pas, c'est cette croyance qui permettait à ce que l'Empire Congo ou le Royaume Congo soit fort et prospère. Parce qu'on avait ce qu'on appelle les Ngangankisi. Mais quand ils sont arrivés, les missionnaires, ils ont dit, les Ngangankisi, c'est des féticheurs, c'est la sorcellerie. Mais les Ngangankisi, aujourd'hui, c'est des médecins. D'accord? On avait ce qu'on appelait les Ngangamayele. Les Ngangamayele, c'est eux-là qui conseillaient le roi. Mais on nous a dit, bon, Ngangamayele, là, sont des pratiquants, ils vont dans les rivières, ils invoquent les esprits mauvais. Mais les Ngangamayele, aujourd'hui, ce sont des savants. Voyez? Donc, on nous a désintéressés de ce qui nous caractérisait, de ce qui faisait notre force, pour mieux nous dominer, pour mieux nous coloniser. L'exemple est très clair. Ils nous ont montré que notre culture Congo était diabolique, était satanique. Il était question que tous nos ancêtres brûlent leur sang franciscain, leur bracelet magique de protection, leur statuette. Mais quand ils ont brûlé ces statuettes-là, mais l'homme blanc a récupéré ça. Ils n'ont jamais brûlé ça. Nous retrouvons ça au musée du Louvre. Nous Donc, retrouvons. s'il faut comprendre, c'est par là que notre spiritualité va s'épuiser. Mais non, a cessé d'exister. Épuisé, c'est même Ah, dire. notre spiritualité va mourir carrément. Mais carrément, écoutez, si vous voulez l'histoire, en 1484, donc au 15e siècle, quand les missionnaires arrivent, ils trouvent le roi Dzingankouvu, ils trouvent l'enfant qu'on appelait Monissoyo. Mais au baptême de Monissoyo, on avait brûlé tout ce que nous avions, nos statuettes, nos fétiches, nos. Bon, pas nos fétiches, nos talismans, parce que le blanc appelle ça talisman. Nos Mais talismans. cela doit nous enseigner quoi? Cela doit nous enseigner que la religion importée des Occidentaux, en quelque sorte, ce n'était que de l'escroquerie. Alors, s'il faut le dire, escroquerie, non. C'était de la manipulation. Il faut bien choisir les termes. Escroquerie, ça veut dire on te présente quelque chose qui est faux.
Manipulation, on te sorte de dupe, d'accord? On nous a présenté ce que nous connaissions déjà, mais on nous a présenté ça, c'est comme si nous ne connaissions pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez la réalité. Si, je vois. Ouais. Donc, ils nous ont aveuglés, en quelque sorte. Aveuglés, voilà. On nous a aveuglés. Parce que si aujourd'hui, moi, par exemple, il y a quelques semaines, j'étais avec... parce que là, j'ai décidé de mettre un peu en arrêt mon ministère. Donc, je vais dire mon ancien curé. À table, il est docteur en Bible. Il me posait la question de savoir, il dit, Foussi, est-ce que tu veux nous montrer que l'Église occidentale ou le christianisme s'est inspiré de la religion Congo et a créé une religion? Ou encore, on a volé votre religion pour créer cette religion christianiste? J'ai dit, non, ce n'est pas ça. J'ai dit simplement, parce qu'avant le 14e siècle, il n'y avait pas de contact entre l'Europe et l'Afrique. Il n'y avait pas de contact. Aucun Européen n'était venu là-bas. Mais le problème, c'est quoi? Le christianisme doit assumer qu'ils n'étaient pas venus nous évangéliser. Ils n'étaient pas venus nous apprendre quelque chose. Ils étaient venus, à la limite, nous rappeler des choses qu'on connaissait déjà ou le dire dans leur langue. Parce que l'exemple est quoi? L'exemple, mon cher Levan, quand aujourd'hui à la messe catholique, je dis bien, dans la préface, on dit vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. De te rendre grâce. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. D'accord? Ça, c'est la préface de l'Église catholique. Les Ngunza vont nous dire que le christianisme est une religion emportée. Non, le christianisme ne sera jamais une religion emportée. C'est notre religion. On n'est pas obligé d'appeler ça christianisme, mais c'est notre religion. Et la preuve, elle est là. Vous avez entendu en français la préface. Je vais vous faire la préface en Mounoukoutouba, parce que j'ai quand même été formé comme prêtre à Pointe-Noire. En Mounoukoutouba, on dit ceci à la place de ces mots français. On dit « Tcheleka, yakembote na yame fwana, na kukembe la nge, tangu nyonso, nge tata ya losemo, nge zambian pungu. » D'accord? Mais les Ngunza vont nous dire non, nous on ne prie pas le Dieu des Blancs, on prie zambian pungu. Mais à la messe, on dit zambian pungu. Ce sont des gens aveuglés. Je n'ai pas envie d'être discourtois ou vraiment insulté, sinon on va dire, ben oui, voilà la folie. Je préfère être très courtois. C'est des gens qui ne connaissent rien. Les Ngunza, c'est des gens qui ne connaissent rien. Ça veut dire que leur foi est vide. Mais écoutez, quand vous me dites le Ngunza, ce n'est pas ça. Le Ngunza, je vous ai dit, c'est la vraie religion Congo. Le Ngunza actuel, dis-moi. Actuel, nous parlons de Ngunza actuel. Parce que ce que tu étais en train d'expliciter au début, j'ai compris. Moi, je parle de Ngunza actuel. Est-ce que ce sont des gens qui ont une foi vide? Oui, c'est des gens sans connaissance. Des gens enveloppés dans une sorte de couleur noire de la nuit noire. Donc, ils sont dans le noir, ils ne comprennent pas ce qu'ils cherchent. Donc, l'homme levé là, de sauter là, ça n'a pas d'importance. Non, là, vous voulez me verser dans la polémique. Non. En fait, nos ancêtres faisaient la même chose, mais eux, quand ils faisaient ça, c'était pour montrer leur élévation. C'était pour montrer que les bascules, vous sautez, je ne vais pas parler en lari parce qu'il y a un frère qui m'a rappelé cela, parce qu'on est suivi par beaucoup. Je préfère être en français. On appelle ça bascule, vous voyez? Quand vous sautez, en fait, qu'est-ce que cela saute? C'est-à-dire c'est une tradition Congo. Mais c'est une tradition Congo pour nos ancêtres. Quand on sautait, on pouvait rentrer dans le feu. Il ne se brûlait pas. Ça signifiait quoi? Ça signifiait que l'homme n'est pas seulement corps, l'homme est esprit. Et il veut vous montrer que le corps est le tombeau de l'âme. Platon a enseigné ça. Platon a dit corpus soma. Le corps est le tombeau de l'âme. Donc il veut vous montrer que pour vivre, il faut transcender son corps. Il faut dépasser son corps pour vivre selon l'esprit. Donc, il va quand même, il va sauter. Il veut vous montrer que je peux sauter d'ici, tomber là-bas. Je m'en fous parce que mon corps, ce n'est pas ce qui va m'empêcher de faire vivre mon âme. C'est ce que signifie bascule. Mais non, eux, en fait, les Ngunza actuels, c'est des gens déjà qui ne sont pas au Sénégalement. Les Ngunza actuels, je dis bien. Parce qu'il ne faudrait pas que vous dire ici qu'ils sont en train d'insulter les Kingunza. C'est comme si j'insultais mes ancêtres. Mes ancêtres, eux, ils ont prié ça. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des Ngunza, par exemple, qui croit que le Kingunza a commencé avec Simon Kimbangu. Il y a des Ngunza qui croient que le Kingunza a commencé avec Mathieu André. Il y a des Ngunza qui croient que le Kingunza a commencé avec Impavita. Il y a des Ngunza qui croient que le Ngunza a commencé avec Mbemba Philippe.
Il y a des Ngunza qui croient que le Kingunza a commencé avec Mavonda Dangu. Il y a des Ngunza qui croient que le Kingunza a commencé avec Philippe Mbumba. Il y a des Ngunza qui croient que le Kingunza a commencé avec Mabiala Manganga. Il y a des Ngunza qui croient que ça a commencé avec Bouéta Mbongo ou avec Simon Paddy. Ce sont des aveuglés simplement. Ce sont des aveuglés simplement, mais des aveuglés qui aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on puisse le nier, s'approchent aussi de la sorcellerie. Parce que moi, j'ai rencontré des Ngunza qui peuvent faire des choses qui étonnent, notamment des miracles, mais qui sans doute étaient aussi dans cette fierté-là de dire qu'ils ne peuvent pas vivre cachés en démontrant aux gens que ce sont des sorciers. Est-ce que cela rentre aussi dans la révélation spirituelle de cette religion Congo? Être sorcier, aimer les miracles ou notamment donner aux gens la visibilité que l'impossible peut être réalisé par des forces mystiques. Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre c'est quoi la sorcellerie. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la sorcellerie. D'accord ? Sera taxé de sorcier quelqu'un parce qu'il a mis un tissu rouge sur la tête, quelqu'un parce qu'il s'est jeté dans le feu. Je vois des Ngunza actuels être taxés de sorciers, de sorcières. Il y a des gens, par exemple, qui vont voir, ils vont dire que Terim Kyo, c'est le tribunal des sorciers. C'est simplement parce que ces gens-là sont ignorants et la conséquence, c'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Quand vous allez chercher à leur enseigner, ils vont vous démontrer qu'ils connaissent. Alors que Socrate disait, tout ce que je connais, c'est que je ne sais rien. Ah. La sorcellerie n'est pas... La sorcellerie est une science, il faut le dire comme ça. Est une science. Et dans toute science, il y a deux volets. Il y a le volet négatif et il y a le volet positif. Même dans la science moderne, il y a le volet négatif et le volet positif. Le volet positif de la science moderne, c'est quoi? La pharmacie. On va prendre les médicaments pour se soigner. C'est la chirurgie. On va m'opérer, je vais être sauvé. C'est la création des vols, les téléphones. Ça, c'est la science, le volet positif. Mais le volet négatif de la science moderne, c'est quoi? Mais aujourd'hui, avec les bombes nucléaires, si on appuie, ben, tous, on est parti. Mais c'est la sorcellerie négative. Aujourd'hui, la bombe atomique qui a bombardé Hiroshima et Nagasaki le 7 et le 9 août 1945 pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, ça, c'est les bienfaits de la science. C'est les méfaits de la science. Et voilà. C'est la même chose avec la sorcellerie, si vous voulez. Dans la sorcellerie, on a la sorcellerie négative et la sorcellerie positive. La sorcellerie positive, c'est quoi? C'est un chef de famille qui va prendre la parole, qui va dire, moi, j'ai posé mon pied. Personne ne peut sauter mon pied pour aller faire du mal à mon enfant. Parce que si vous touchez mon enfant, c'est moi que vous touchez. C'est la sorcellerie positive. D'accord? Mais la sorcellerie négative, c'est quoi? Mais c'est quand cette sorcellerie va faire le mal. Quand, par exemple, dans votre famille, vous avez un oncle qui est éclairé, qui est illuminé, qui a la connaissance, mais qui va utiliser cette sorcellerie pour faire le mal plutôt que pour faire le bien. Qui va, par exemple, bouffer son neveu? Le neveu meurt. Les conséquences de la sorcellerie. Qui va, par exemple, aller faire quelque chose pour bloquer son enfant qui est en France, qui ne veut pas, qui a refusé de lui faire un RIA, un monogramme, parce que le monsieur a des charges, il y a le gaz qui augmente, bon, tonton, en ce moment, je n'ai rien. Il va prendre l'indica, il va prendre tout ça, il va brûler pour maudire son neveu, et son neveu va vivre une routine existentielle. Ça veut dire que quand il a l'argent, l'argent est dépensé sans compter. Mais c'est une malédiction. Mais pourquoi nos sorciers africains ne veulent pas mettre leur sorcellerie au service du bien aujourd'hui? Pourquoi? Parce que ces Ngunza-là ne veulent pas apprendre. Moi, tous les gens que je condamne, c'est les Ngunza actuels. Ils sont dans l'aveuglement total. Ils connaissent certaines pratiques. Ils ne veulent pas moderniser ces pratiques pour le mettre au service du bien-être universel. Les Ngunza là qui sont aujourd'hui, déjà 10 ans, c'est les Ngunza qui suivent, on va rentrer dans le contexte du sujet, de le machouaniste, André Guénard Machoua. Machoua André, qui est le fondateur d'un mouvement qu'on appelait l'Amicale, et l'Amicale est devenu aujourd'hui le Corbeau. Le Corbeau, c'est les machouanistes, vous les connaissez? Exactement.
Ils sont matuanistes sans connaître Matua, si vous voulez. Mais Matsua, revenons rapidement un peu sur l'histoire, sur l'histoire un peu sans hésiter de Matsua. Matsua, concrètement, pour le Congo, notamment pour nous les Congolais, on le considère sans crainte comme étant le libérateur, le héros de notre indépendance, celui qui s'est battu pour que la colonisation ne puisse toujours pas être continuelle sur nos terres. Mais Matsua, c'est aussi quelqu'un qui a été en Europe, qui s'est battu à côté des Occidentaux. Il a fait la guerre avec eux. Donc c'est quelqu'un qu'on a même aussi emprisonné. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà des idées très libertaires. Moi, j'aimerais savoir concrètement, ce héros du progrès de notre cité, celui qui s'est battu pour que notre société ne puisse pas connaître une colonisation continuelle, celui qui a voulu accomplir une autre manière de la faisabilité politique. Comment se fait-il qu'il tombe aujourd'hui à la vue, notamment de ces gens spirituels Ngunza, comme étant leur messie? Parce que les Ngunza d'aujourd'hui considèrent Matsua comme le Jésus de la race noire. Vous voyez, bon, ce qui me fait plaisir, c'est que vous dites bien que les Mounsa actuels considèrent Matua, parce que Matua lui-même ne s'est jamais présenté comme un messie. Je Exact. vous renvoie à lire le livre du professeur Ngondola sur Matua André. Il y a d'ailleurs Monsieur Hervé Maïka qui qui faisait la retransmission de ce livre en volant les écrits de l'autre, il se faisait passer pour lui avoir fait des recherches. Mais ça, c'est le syndrome congolais, ça. Hein? Mais c'est le syndrome congolais. Ben, si vous voulez, Matua André fut un éclairé, fut un illuminé. Les matuanistes parlent de Matua sans connaître Matua. Moi, j'ai fait dans mes recherches spirituelles, j'ai bien appris l'homme. Et je le prends d'ailleurs pour mon modèle, Matua André, par rapport à ses écrits, par rapport à ses enseignements. Pas par rapport à ce côté matuaniste congolais, non. Parce que ce que le Corbeau nous enseigne, ce n'est pas ce que Matua enseignait. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que souvent on parle de Matsua combattant, de Matsua révolutionnaire, de Matsua politicien. On oublie la flamme de l'intelligentsia qu'il incarnait. Matsua parlait bien, Matsua écrivait bien, et sans doute il avait des discours très 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 intelligents, parce que c'est quelqu'un qui ne tremblait pas pour dire la vérité d'une manière sans doute meilleure. Donc c'est quelqu'un qui avait des idées meilleur simplement pour le progrès sociétal de notre pays. Je voulais D'accord. simplement signifier cela. Parfait. Alors, Matua, s'il faut dire, peut-être qu'un jour on pourra écrire dans ce sens, Matua, le maître éternel incompris. C'est-à-dire, il y a des disciples qui ne le comprennent pas. Ses disciples n'ont jamais compris Matua. Parce que c'est la même réalité que nous vivons aujourd'hui avec le christianisme. Les chrétiens aussi n'ont jamais compris Jésus. Tout ce que nous vivons dans la religion actuelle, chacun prend les enseignements de Jésus, en fait sa pâte, en fait sa sauce. L'Église catholique romaine va présenter un Jésus à leur manière. Les protestants vont présenter les mêmes enseignements de Jésus à leur manière. L'Église de réveil va présenter toujours le même Jésus à leur manière. Mais c'est la même chose avec Matua. Mais Matua était un homme d'abord spirituel, intellectuel. À la limite, Matua, c'est l'homme, vous voyez. Matua, ce n'est pas n'importe qui. Mais Matua n'est pas ce que les corbeaux, comme disait ma maman, les corbeaux, nous présentent. Matua a créé une association qu'on appelait l'Amicale. Dans cette association de Matua André, Matua voulait, à la limite, nous dire que, chers frères, Matua militait pour quoi? Parce qu'il faut parler de Matua, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Matua militait pour l'égalité entre l'homme noir et l'homme blanc. Matua militait pour les indépendances. Matua, il était très contre le fait qu'un peuple soit considéré comme un peuple supérieur
et un autre peuple soit considéré comme un peuple inférieur. Et pourquoi Matua est arrivé à ce niveau de vouloir revendiquer ses droits? Primo, parce que Matua a appris. Matua était un évolué. Et Matua a mis en exergue son côté intellectuel pour mener à bien son combat. Mais tout ce côté intellectuel de Matua est considéré par les Corbeaux comme les miracles, comme le mysticisme. Pandu, pandu, kundu, kundu, tata Matua. Alors, les miracles, c'est les miracles, la sorcellerie, c'est la sorcellerie, mais les miracles dépassent la sorcellerie. Ils ont des slogans comme ça qu'ils ont fondés, fabriqués, décousus de tout sens par rapport à Matua. Et qui était Matua? Matua, ce fut ce grand intellectuel. Matua, si Matua n'avait pas été arrêté, trahi, mal compris par ses compatriotes, Matua devait être le premier parlementaire congolais à la place de Tshisekedi. À la place de Tshisekedi. Ou à la place mais de qui trahit Matua? Ce sont ses propres frères Congo. Mais par ses adeptes, par ses, non pas ses adeptes à l'époque, parce que lui-même ne les appelait pas les adeptes, il les appelait les membres de son association. C'est-à-dire qu'il a été trahi par les membres de son association. Pourquoi de l'amicale. De l'amicale. Parce mais que pourquoi lui, pourquoi ils vont finir par le trahir alors que c'est quelqu'un qui devenait quand même une voix majestueuse pour le progrès de notre cité? Alors, on a trahi Matua parce que on a trahi Matua sans trahir Matua. Suivez bien mon raisonnement. On a trahi Matua sans trahir Matua. Ils ont vendu Matua sans vendre Matua parce que c'était leur ignorance. Ils n'avaient pas le même niveau intellectuel que Matua. Si vous voulez, en deux minutes, Matua était. Alors, qu'est-ce que Matua avait fait? Matua, il était parmi dans la colonisation. Vous savez, on avait l'Afrique équatoriale française, on avait l'Afrique occidentale française. C'était pendant la colonisation. Et Matua était là à Brazzaville. Parce qu'il est de Kinkala, Matua André. Et finalement, il était parmi les évolués, il va faire sa formation, il va être douanier, d'accord? Mais Matua va se rendre compte que l'Afrique équatoriale française, donc l'AEF, était moins développée que l'Afrique occidentale française. Il va dire, je vais faire l'aventure, il faut que j'aille à l'Afrique occidentale française, qui avait pour capitale, à la limite, le Sénégal et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et chez nous, il y avait Brazzaville et d'autres pays de l'Afrique centrale. Mais ces pays de l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, est sous-développé, mais jusqu'aujourd'hui, vous le connaissez. D'accord? Alors, Matua va prendre le risque de dire, il va se faire ses économies. Fondjendi Bumputu, je dois aller en Europe. Mais c'est le rêve de tout Larry. Parce que Matua, il est mon Congo. Tout Congo, si tu n'arrives pas en France, tu n'as pas existé. Et Matua aussi, il ne va pas échapper à ce désir, non? Moi, je dois aller en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut faire des économies. Il va se dire, je dois aller en RDC, au port de Matadi. Comme ça, je vais travailler là-bas. Je me ferai mieux les économies là-bas parce que ici à Pointe-Noire, le port et à Brazzaville, je n'arrive pas. Matua ira à Matadi. Mais les corobos nous disent que Matua avait quitté Brazzaville jusqu'à Matadi à pied. En fait, que eux, il faut toujours mystifier même ce qui est rationnel. Alors, quand Matua arrive à Matadi, il va commencer à travailler au port de Matadi, il va se faire des économies. Ensuite, en même temps, à Matadi, donc ça veut dire que non loin de Matadi, à Mbanzangungu, qui était la capitale du royaume Congo, va se lever un prophète. Ce qui se prophète, c'est Simon Kimbangu. Donc, quand Matua André arrive à Matadi, il va faire connaissance aux gens, aux adeptes des enseignements de Kimbangu. D'accord? Mais Matua, autant qu'intellectuel, il va dire, mais tiens, qu'est-ce que ce prophète raconte? Non, il dit que l'homme noir sera l'homme blanc, et l'homme blanc sera l'homme noir, il faut que nous ayons les indépendances. Matua cherchera à rencontrer Simon Kimbangu. Malheureusement, il ne s'était pas rencontré, parce que pendant que lui va quitter Matadi pour aller vers Mbanzangungu, chercher à rencontrer Kimbangu, Kimbangu avait déjà était déjà parti du côté de Katanga. D'accord? Mais il va faire la connaissance des adeptes de Simon Kimbangu. Qui va lui dire, ben oui, le prophète a dit ceci, a dit ceci, a dit ceci, voilà ce qu'il nous enseigne, il était catéchiste chez les protestants. Alors, d'autres disent que Matua s'était inspiré
des enseignements de Kimbangu. Mais lui-même aussi, Mathieu, a été un grand intellectuel, aussi un envoyé du Seigneur pour notre Congo, quoi. Parce qu'il a milité quand même pour que nous soyons indépendants. Et Kimbangu aussi a milité pour que la RDC ait l'indépendance. Donc, il va se faire des économies. Finalement, il n'arrivera pas à rassembler toute la somme qu'il aidera à partir de la RDC vers la France. Il va faire son premier voyage, il va s'arrêter au Sénégal. Voilà pourquoi les corobos disent que Mathieu André était au Sénégal. Oui, il était au Sénégal. Parce qu'il avait manqué. Mathieu était intellectuel. Il a dit, si j'arrive au Sénégal, facilement, mon Nkota Kumputu, facilement, je vais rentrer en France. Il arrive au Sénégal, arrive la guerre là du Maroc. Vous savez que la France a eu une guerre au Maroc. Alors, il fallait faire l'enrôlement des Français de l'Afrique équatoriale, d'accord? Française et occidentale. Mathieu André, en tant qu'intellectuel, il va se faire enrôler dans le 22e régiment français qui s'était battu au Maroc, mais il s'est fait enrôler comme un Sénégalais français. C'est-à-dire qu'il a menti que son papa était Sénégalais et lui était français. Alors, parce que les Sénégalais, à cette époque, étaient la majorité des Français. Donc, Mathieu, c'est comme nous, quand vous faites la demande d'asile, à la limite, tu peux faire une demande d'asile, mais comme un Guinéen, parce qu'il y a la guerre en Guinée. Comme un Congolais de la RDC, parce qu'il y a la guerre. Ouais, Guillemot, ouais, je comprends, ouais. Donc, Mathieu avait menti qu'il était Sénégalais. Et il va modifier son nom. Son nom était André Mathieu. Il va dire, non, je dois prendre un nom un peu français. C'est là où il va prendre le nom de Grénard. Grénard, c'était un monsieur connu en France. Il dit, on m'appelle André Grénard Mathieu. Il a même enlevé Mathieu. Il a dit Mathieu. Comme ça, que ça va paraître très français. On l'a enrôlé. Voilà pourquoi la tenue de Mathieu, c'est écrit 22-22. Il y a des corbeaux vont dire, c'est matricule 22, Pandou, Pandou. Non, c'est le 22e régiment qui était parti se battre au Maroc. Et tous les soldats français qui étaient partis se battre au Maroc portaient ce numéro, c'était le 22e régiment. Vous comprenez? Et Mathieu est parti se battre là-bas. Ils ont fini la guerre. Donc finalement, il a été accepté comme un Français, d'accord? Il est finalement venu en France. Alors Mathieu, quelle est l'erreur qu'il va faire? Quand il arrive en France, il fallait qu'il se régularise normalement. Mais lui, il a continué à jouer le vrai Français. D'accord? Je suis Français. Avec un intellectuel le mot qu'il était, Mathieu a habité le 7e arrondissement de Paris. Il avait son petit studio là-bas. Et donc, du coup, Mathieu, il va commencer à militer, il va créer l'amicale pour finalement demander à la France que nous aussi, nous devons avoir des parlementaires dans nos pays. C'est-à-dire que l'Afrique équatoriale française doit avoir un parlementaire qui siégera à l'Assemblée. Parce que c'est Mathieu, finalement, notre héros de l'indépendance. Quand il va mener ce combat, il va commencer à déranger, parce que vous savez, quand vous dites la vérité, vous êtes à la limite, vous dérangez. Alors, Mathieu, il va créer l'amicale, il envoie les courriers, les correspondances au Congo. Alors, il a oublié qu'il a été enrôlé comme un Sénégalais. Vous comme comprenez un Français au Sénégal, c'est ça? Comme un Français au Sénégal, mais il envoie ses courriers au Congo. Maintenant, l'administration française commence à se dire, mais ce monsieur, on ne le comprend pas. Il est fils d'un Sénégalais, il est français parce qu'il vient, il appartient à l'Afrique occidentale française, mais il envoie des courriers au Congo, on ne comprend rien. Pourquoi il ne défend pas l'Afrique occidentale française, mais il défend l'Afrique équatoriale française? Mais il fallait qu'il défende même l'Afrique équatoriale française dans son ensemble, mais il défend le Congo-Brazzaville. Est-ce que ce monsieur ne nous avait pas menti? D'accord. Mais c'est ça l'histoire de Mathieu, le corbeau ne veut pas lire. On va finalement lui dire, Mathieu, il sera convoqué. Il a eu un premier jugement. On a dit, il doit définir son statut. Est-ce qu'il est vraiment français parce qu'il est sénégalais ou il est français parce qu'il est congolais? En même temps que Mathieu, et les disciples, le mouvement commençait à être bouillant, d'accord? Commençait à être bouillant. On a un sauveur là-bas qui milite pour nous. Oh, ils savent pas que le sauveur est dans une situation administrative complexe. Complexe. Mais c'est nombreux, ils sont nombreux comme ça. Aujourd'hui, on a les Congolais de Brazzaville. Bon, je ne vais pas le dire, parce que je vais dire ça au Mounoukoutouba.
Hein, sans baba, tu vas le faire ou avec parce qu'on va gâter les choses. Aujourd'hui, parce qu'il y a baba, par exemple, qui est congolais à Brazza, mais qu'il y a baba Ngunda, il y a comme congolais à RDC, parce que en raison de ce RDC, il y a béni. Mais là, il reste le combat politique. Mais n'oublie pas quand tu as un peu de mon frère. C'est ça le rôle de Matou. Donc l'administration a voulu connaître maintenant avec sûreté. Qui est ce personnage? Comme il nous dérange maintenant. Comme il nous dérange maintenant, il faut qu'on cherche, il est d'où? Parce qu'il parle du Congo. Alors, ils vont demander à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française de chercher où il est enregistré. Parce que l'Afrique équatoriale était bien organisée, il y avait l'administration. D'accord? On va maintenant savoir que Matua est congolais, il est né à Kinkala, il est enregistré au Congo. On l'a convoqué. Monsieur, vous vous êtes enrôlé comme un Sénégalais. Comment on a retrouvé ton nom dans le registre là au Congo? Tu es né là-bas, ta famille, tes parents et tout ça. Mais tu vois, Makonde va m'oublier qu'il est. Qu'est-ce qu'il va dire? Du coup, on va dire, toi, on ne va pas te juger ici. On va te renvoyer dans ton pays, au Congo, pour que tu aies un procès en bonne et due forme là-bas. On a arrêté on l'a envoyé au Congo. Mathieu André a été envoyé au Congo pour qu'il soit jugé au Congo. Mais quand Mathieu André est arrivé au Congo, mais comme c'est un gros mystique, voilà, j'enlève pas le côté mystique de Mathieu, aussi le côté intellectuel de Mathieu. Il va bien, Mathieu va bien se débrouiller là-bas. Lors de son procès, Mathieu s'est bien débrouillé. Il a accepté finalement que c'est un Congolais. Il dit, oui, je suis Congolais, mais l'Afrique équatoriale française était sous-développée. Et voilà pourquoi je suis parti là-bas pour que j'avais en France. Et pourquoi vous voulez me condamner alors que j'ai fait la guerre pour vous? J'ai fait la guerre au Maroc pour vous. Si vous avez gagné cette bataille, c'est aussi grâce à moi. Le blanc s'est dit, oh, ce monsieur, il est intéressant. Il a menti qu'il était français, mais il nous a pas fait du mal. Il a combattu pour nous. C'est comme quelqu'un qui est en France ici, qui va dire qu'il est français, mais qu'il ira se battre pour le compte de la France. Bon, à la limite, donnez-lui les papiers. D'accord? C'est comme le jeune là qui était sans papier, qui avait sauvé l'enfant qui voulait tomber de l'immeuble. Ngassama. Donc, Mathieu, en fait, c'est un Ngassama. Mathieu a dit, non, je me suis battu pour vous. J'ai fait la guerre au Maroc. Malgré ça, comme il dérangeait, on l'a quand même condamné. Mathieu a fui condamné et envoyé en prison au Tchad. Au Tchad, oui. Mais entre-temps, Mathieu, pendant qu'il était ici, il avait une petite amie française. Mathieu, c'est un grand intellectuel. Il avait une femme française, une petite amie. Mathieu contacte la petite pour dire, bah, écoutez, moi, je suis en prison, il faut faire quelque chose, d'accord? Et du coup, le combat de Mathieu était mené, aussi intellectuellement, mais le Corobo croyait que le combat ne se menait que spirituellement. Vous comprenez le hiatus? Je vois le hiatus, oui. Donc, Matua, il va mener son combat en prison là-bas. Il va être libéré grâce aux investigations de sa bonne femme. D'accord? Qui est une Française. Française. Matua sera libéré. Quand Matua est libéré au Tchad, il revient à Brazzaville. Les corbeaux reçoivent Matua en pompe. On l'a condamné. Tata Kéri, l'homme est revenu. Il est miraculeux. Voyez? Alors qu'il y avait des démarches administratives pour qu'on libère Mathieu. Et quand on a libéré Mathieu, il est revenu à Brazzaville, mais il fera son combat encore à Brazzaville, il ne va pas lâcher. Et Mathieu va chercher à faire, il faut que je revienne en France. D'accord? Je ne resterai pas au Congo, parce qu'au Congo, je ne saurais pas comment mener mon combat, je n'aurai pas les moyens. Il faut repartir en France, et à partir de là-bas, que je pourrai faire quelque chose. Et Mathieu va encore faire la deuxième tentative de son voyage, d'accord? Il a bien su les choses. La situation devenait très difficile parce qu'il est devenu fiché S, s'il faut parler aujourd'hui en France. C'est un élément qui dérange. Il peut soulever les peuples. Il va faire en sorte que l'Afrique équatoriale française se soulève contre nous. Donc, c'est un monsieur à surveiller. En tant qu'un grand intellectuel, il dit non, vous ne me connaissez pas. Je sais le circuit qui fera que je rentrerai encore en France. Mathieu, il modifie encore son nom. Un grand maître, Mathieu. Donc, il passe de André Grenard Mathieu, il redevient Mathieu André.
Voyez, il devient, il reprend sa vraie identité. Il reprend sa vraie identité de Mathieu André. Kumputunikana. Il a dit à ces éléments, ne vous inquiétez pas, j'irai en France. On lui a dit, mais non, tu peux plus, t'es fiché S. J'irai. Parce que lui, il était un intellectuel. Il sait comment manipuler les papiers, il sait comment tout faire. Mais les gens qui le suivaient n'avaient pas sa connaissance. Et prenaient toutes les manigances de Mathieu, ils mettaient ça dans le compte de la spiritualité du mysticisme. Vous comprenez l'histoire? Je comprends. Mathieu va repartir à la mairie pour dire, ben, vous m'avez condamné, je suis sorti, ben, remettez-moi mon identité. J'assume mon identité, je m'appelle Mathieu André. C'est D'accord. audacieux, hein? C'est quand même audacieux ce qu'il fait là. Non, mais ce n'est pas audacieux, c'est comme vous. Vous avez été condamné, vous avez purgé votre peine. Mais quand vous sortez, vous avez été condamné pour usurpation du titre. Ah, d'identité, oh non. Là où je dis audacieux, quand il décide de revenir encore en France, parce que là, il est déjà dérangeant. Il Non, est mais conscient de ça. c'est le côté intellectuel de Mathieu, c'est le côté combatif de Mathieu, c'est le côté osé de Mathieu, c'est ce que j'aime au Mathieu. C'est quelqu'un qui ne reculait pas. Il allait jusqu'au bout de ses idées. Donc, il va faire des tentatives de revenir en France. Et cette fois-ci, il dit, je ne peux plus passer par le Sénégal parce qu'au Sénégal, je suis fiché et je suis connu là-bas. Il va changer de trajectoire. Mathieu est rentré en France, cette fois-ci par l'autre rive. Il a fait vers le Maroc. Mathieu, c'est un grand. Il sait qu'au Sénégal, je vais rentrer comme ça, mais par le Maroc, je vais rentrer par là-bas. Il est rentré par le Maroc. Et au Maroc, on l'a attrapé, Mathieu, au port de Marseille. D'accord? Oh. Ben oui, on l'a attrapé. J'ai les photos, je vous enverrai les photos, vous allez publier à la fin. Hein? Je suis en train de voir au même moment parce que j'ai le livre. Mathieu a été arrêté là au port. Il dit, oh monsieur, t'es fiché. Hey, il dit, non, 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 je ne suis pas moi, André Grenard. Je suis pas André Grenard Mathieu. Moi, ce n'est pas lui. Moi, c'est Mathieu André. Mes papiers sont là. Il a dit, non. Mais c'est la même personne. Non, 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 ce n'est pas moi. Mais les corbeaux expliquent ça comme quoi que Mathieu s'est dédoublé. Non, Mathieu ne s'est jamais dédoublé. Il avait beaucoup d'identité. Point. Mathieu s'est présenté là-bas. Il dit, écoutez, moi, je ne suis pas Mathieu. Le Mathieu que vous parlez, moi, je le connais. C'est un monsieur qui avait menti qu'il était français. Il avait été condamné, même au Congo. Mais ça ne signifie pas que moi, parce que je le ressemble, mais tous les Congolais se ressemblent. Je vous fais un peu le scénario. On a dit non, monsieur, il faut qu'on vérifie. On a mis Mathieu en prison, là, au port de Marseille, vers Toulon, le port de Toulon, où à la limite, en 20 minutes, tu étais au Maroc. Mathieu était là-bas, au port de Toulon, emprisonné. Après, ils ont écrit, l'administration a dit refoulez-le, il faut bien vérifier. On a refoulé Mathieu. On a refoulé. Mais comme l'homme ne cède jamais, c'est ça, Mathieu André. Il dit non. Il contacte sa bonne femme française pour dire, mais moi j'ai tenté de venir, ça n'a pas marché. Donc à la limite, mais il a dit, mais tu n'as pas repris ton identité. Mais oui, j'ai repris mon identité, mais ils disent que c'est toujours moi. Il dit, t'inquiète pas, je vais t'aider à rentrer. C'est donc la française là qui fera le tout pour faire rentrer Mathieu encore en France. Mathieu finalement est rentré comme concubin d'une française. D'accord? Il a sa femme qui est française, sa bonne amie, il a déclaré tout ça, j'invite mon ami. On a maintenant invité Mathieu. Mathieu est finalement rentré par invitation. Mais comme l'homme s'est têtu, il est rentré. Il dit, OK, vous allez maintenant voir. Côté-là encore. Je suis encore arrivé, vous allez voir. Quand il arrive, il dit à sa femme là, il dit, il faudrait finalement qu'on soit ensemble. Parce que sinon, je n'ai pas des papiers, on va me refouler. Donc là, je te dis la vérité, je n'étais pas français, parce que Mathieu montait même sa femme, la femme là qui était vraiment française. Donc, je ne suis pas français. Ah, Je n'étais pas français, mais maintenant là, accepte-moi simplement comme ton concubin. Si tu m'aimais, tu vas toujours m'aimer, même si je ne suis pas français. Mais comme c'est un intellectuel, c'est un bon parleur. Donc, ça dit c'est un mystique. Ça dit il s'est dominé. La femme dit, bon, d'accord, il s'est réconcilié avec sa femme. Il y a d'ailleurs des photos, je vous cherche, la photo, j'en ai là, 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 je vais vous montrer. Et Mathieu, finalement, va accepter ben, de vivre avec cette femme. Ils ont vécu avec cette femme, toujours dans son studio là de Paris, 7e arrondissement de Paris, avec une femme, Mathieu André, avec une femme française. D'accord? Mundele. Mundele. Et finalement, Mathieu va dire, ben, écoute, elle est là. Voilà, la photo de Mathieu André, là, avec sa femme. Vous voyez?
Mathieu Ah, André ok. a fait une française. Yaya Moussaka. Nzaka, ouais. Costumé. Toujours. Moana Bon, Congo. mon Congo. Et Mathieu va dire à cette bonne femme-là, il faut qu'on puisse faire un mariage et tout ça. Il dit, ah non, toi, tu as encore une situation difficile. Bon, il n'y avait pas des pacs. S'il y avait des pacs à l'époque de Mathieu, Mathieu devait paxer. Mais la femme dit, non, 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 Mathieu, tu m'avais d'abord menti que tu étais français. Tu viens ici, j'accepte. Après, tu me demandes qu'on se marie. C'est pour que tu aies les papiers. Après, tu vas encore faire des choses. Vivons d'abord. D'accord? Mathieu dit, c'est pas grave, on va vivre. Et Mathieu m'a dit, bon, écoute, on va créer cette association-là. Je vais régulariser mon association, l'amicale. Mais il faut que tu deviennes membre de cette association. Comme ça, je vais domicilier ça chez toi. D'accord? Mathieu va finalement régulariser son association, l'amicale, qui sera domiciliée chez cette bonne femme-là. Cette bonne Ah ouais, femme. je vois. Voilà. Et Mathieu, finalement, a mené des ailes. C'est-à-dire qu'il est président d'une association régularisée. Ah D'accord? ouais, Ah, il devait reconnu en être France. reconnu en France. Donc, il écrivait. Il écrivait. Mais à un moment donné, il dérangeait tellement. Les gens de Français ont dit, ah, est-ce que le Mathieu, là, avec ce Mathieu, on voit pas la différence, quoi, dans ses écrits, dans ses idées, c'est la même personne. Ah. Et encore arrêter le monsieur, là, il faut le juger. Mathieu, en grand mystique, il saura, sa femme va recevoir des convocations, il va se dire, non, 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 il va fuir. Mathieu, il a fui Paris, il est parti se réfugier, soit vers Orléans, un peu de l'île de France. Derrière lui, la police a débarqué chez la femme, 7e arrondissement de Paris. Tout ça, vous pouvez lire le livre du professeur Gondola. Le titre, c'est Mathieu André, c'est un livre du professeur Gondola. Il y a des preuves à l'intérieur, des courriers là qu'on a envoyés à Mathieu. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? La police va arriver chez la femme. Il va dire, nous cherchons Mathieu André. La femme dit, je connais Mathieu André. La femme dit, je connais pas Mathieu André. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Mathieu André. On dit, non, nous cherchons Monsieur André Grénard Mathieu. Il dit, ce monsieur-là, je ne le connais pas. Il dit, non, 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 tu nous mens, c'est la même personne. Sauf qu'il a changé d'identité. La femme dit, non, 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 non. Moi, je connais Mathieu André, le président de l'amicale. C'est mon ami. C'est ton ami comment? Vous êtes marié? Non. On a demandé à la femme, mais on te voit, tu es enceinte. Est-ce que c'est la grossesse là? C'est pour Mathieu André. La femme dit, ah, si je dis c'est pour Mathieu, Mathieu, ah ouais, il va avoir des papiers à travers ça. Non, 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 non. C'est pas lui le père de ma grossesse, c'est simplement un ami. D'accord? Ensuite, on va dire à la femme, est-ce qu'on peut savoir où est Mathieu? Ton Mathieu là que tu dis là, il est où? Il dira, non, 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 je ne sais pas où il est. Il vient simplement ici de temps en temps parce que c'est l'adresse de son association. Mais sinon, il est quelquefois en province, il se cherche en banc éclairé, il se cherche, il travaille à gauche et à droite. Oh, ils sont partis. Le Corobo explique que Mathieu André, Jimbakanaga, il avait disparu, il était dans cette maison-là, la police ne le voyait pas. Oh, yaya, il avait fou. C'est-à-dire que l'histoire du Congo, c'est une histoire, elle est tellement rocambolesque, si bien qu'il faut bien l'expliquer. Il faut bien l'expliquer. Exactement. Et donc, Mathieu André a été finalement recherché, puis arrêté. Encore, on a dit, monsieur Mathieu André, et Mathieu André, ce n'est que toi. Parce que c'est toi qu'on a ici. Il a refusé, c'est pas moi. Non, non, non. Comme tout le monde qui fait sa demande d'asile devant l'administration, il faut inventer des histoires. Ensuite, on prend Mathieu, il faut encore le juger. D'accord? On va encore juger Mathieu. Et cette fois-ci, Mathieu, eh bien, il va gagner. D'accord? Il va gagner dans le sens où il va assumer, il va plaider coupable par rapport à ce qu'il avait plaidé au Congo, que comme quoi il avait fait l'usurpation d'identité. Mais cette fois-ci, je ne suis pas un usurpateur d'identité, je suis Mathieu André. Et Mathieu André, j'ai une amie qui est française, elle est enceinte, et je suis, voilà, je vais être régularisé, je travaille normalement, parce qu'il avait pris un travail à la. Il travaillait, Mathieu, en France. Il travaillait, ouais. Comme il était douanier, il travaillait. Je travaille, mais pourquoi vous voulez me faire des problèmes? Mon association, tout ça. On va finalement laisser Mathieu sur le territoire. Et là, Mathieu va commencer à déranger, plus encore officiellement.
Et c'est là où on retrouvera dans le sillage, par exemple, de Louis Dossé. Louis Dossé, élu sénateur en 1927, pour qui Mathieu battra la campagne. Mathieu avait fait la campagne d'un sénateur en France. D'accord? En 1900, des élections de Et son 1927. enfant va naître parce que cette femme-là est enceinte, tu m'as dit. Bon, après, ce côté, parce que cette femme, après, va à la limite disparaître. Vous connaissez les femmes, non? Les femmes à la française, ils vont comprendre que Mathieu, ils vont commencer à taxer Mathieu de raciste. La femme va dire non, tu voulais simplement avoir des papiers. Bon, Congolais, Mathieu peut-être papillonner un peu à gauche et à droite. La femme va dire, je ne veux pas déclarer cet enfant en ton nom. Mais ça arrive. Donc, Mathieu a un enfant métis, mais qui n'était pas déclaré en son nom, mais c'est son sang. D'accord? C'est son sang. Mais la Maintenant, femme. il va déranger officiellement la France et après, Voilà, qu'est-ce qui va se suivre? voilà, il va déranger, mais il aura non, il aura d'abord le soutien, je vous dis. Il aura d'abord le soutien de ce d'un monsieur qu'on appelait Louis Dossé, qui décidera de se porter sénateur en France. Et il va utiliser Mathieu, parce que Mathieu était un beau parleur, il était un intellectuel. Il dit, ben, est-ce que moi je sais que tu rassembles, tu as une association l'Amicale où tu rassembles beaucoup d'Africains. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à mener campagne? Il dit, ben non, moi, mener campagne, si je mène campagne, il faudrait qu'après, vous puissiez m'aider aussi à mener mon combat. D'accord? Ils vont signer ce deal et Mathieu fera cette campagne. De 1926, comme couleur d'affiche perdue, on dit couleur d'affiche perdue. Donc, dans l'invisible, l'euro dans le noir, l'euro dans l'ombre, il fera cette campagne. Et l'avocat Paul Reynaud, qui fut futur ministre des colonies, puis des finances, garde des sceaux, président du conseil, qui sera un court moment avocat de l'amicale. Vous comprenez? C'est-à-dire que puisqu'il a battu campagne pour le sénateur et un membre de ce sénateur-là est devenu ce qu'on appelle Paul Reynaud, il était devenu ministre des colonies français. Mais comme Mathieu les a aidés à battre campagne, alors Mathieu maintenant devient, voyez, il devient choyé. Ouais, il devient Voilà. le bienvenu. Il devient bienvenu, donc il commence, il écrivait au gouverneur, il écrivait si, nous, il nous faut un membre dans votre parlement. Un membre dans votre parlement, c'est ce que Mathieu a demandé. Au lieu que ce soit les Français qui vont combattre, qui vont militer pour nos intérêts, nous devons avoir un député. Que chaque colonie française ait au moins un député. Ça, c'est D'accord? Un député qui viendra siéger et qui parlera de nos problèmes. Finalement, Mathieu va mener ce combat. Si Mathieu n'était pas mort, il devait lui être le premier parlementaire congolais. D'accord? Mais parce que, qu'est-ce qui va encore faire le problème, Mathieu? Mathieu, finalement, il va savoir que bientôt, ça c'est déjà approuvé, on aura un parlementaire, il décidera de repartir au Congo pour aller battre sa campagne. D'accord? Mais quand il arrive là-bas, il vient trouver un mouvement qui était contraire à ce qu'il enseignait. Il venait trouver le Koromo. D'accord? Parce que lui, il envoyait des courriers au Congo. Mais quand il arrive, il vient trouver Malanda Makula Koma, que vous avez peut-être connu, qui était c'était pas un prêtre, mais il s'était autoproclamé prêtre parce que lui avait des pouvoirs spirituels, Malanda Makula Koma. Parce que ce fut un des grands disciples de Mabiyarama Nganga, de Mabiyarama Kyenge. Donc lui, il faisait des miracles. Et il croyait au Mathieu. Mais quand Mathieu arrive, il vient trouver que Makula Koma, avec tous les personnes qui l'envoyaient des courriers, ont constitué un mouvement spirituel en le considérant, lui, comme le Messie. Oh. Il va dire, mais non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux. Mathieu était chrétien, baptisé. Il n'a jamais aucun texte de Mathieu où Mathieu dit, je suis plus chrétien. Non. Les Mathieu Chrétien baptisé, tu veux simplement confirmer publiquement qu'il était catholique. Ben oui, mais qui ne connaît pas que Mathieu a été catholique? Mathieu a fait l'école, non? Mathieu a étudié chez les prêtres. Pourquoi il était intellectuel? Parce qu'il a étudié chez les prêtres. En Bambou, Donc, quand Mathieu. il arrive, il voit ce décalage-là de ses idées vis-à-vis de ce mouvement qui devient spirituel, alors que lui, il a besoin d'un mouvement intellect. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il dissout le mouvement Non. ou Alors, il va. il écarte un peu ceux qui deviennent comme
des messies ou ceux qui font de lui un messie de ce mouvement. Alors, il a voulu les écarter, mais c'était difficile parce que, pourquoi? Parce que Makwakoma faisait des miracles. Il faisait des miracles. Malanda Makwakoma, il arrêtait les sorciers aux poules. Qui ne connaît pas ça? Makwakoma partait dans le village avec sa croix. Il te pose la croix, tu tombes si tu es sorcier. Et quand il dit Kwakoma, 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 ça, en fait, Kwakoma, c'est le moment où la rigue dit Kwakoma. Non, c'est Croix commande, croix commande, croix commande. Donc, il te prend la croix, il te pose la croix comme l'exorciste. Il te pose croix commande, tu tombes. Croix commande, tu tombes. Et nous, maman, Ah, croix commande, à la croix qui commande. voilà. Et Ah, maintenant, ce sont des Congos ou les Congolais, qui nos dit croix mamans commande? ou nos grands-parents qui comprenaient mal ces phrases-là qui disaient croix commande. Croix commande. Le monsieur s'appelait Malanda. D'accord? Et sa spiritualité, c'était la spiritualité de Saint-Antoine de Padoue. Comme Kimpavita, on reviendra sur Kimpavita, aussi faisait la spiritualité de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, c'est le grand docteur de l'Église catholique, le grand. Il a une formule d'exorcisme qu'on appelle. Je vous dis, bon, parce que j'ai fait beaucoup d'études en exorcisme, mais je ne vais pas dire ça sinon. Tout ça, mais je veux dire quand même dans le sens littéraire. Hein. Vos secours sous Christi, vos secours sous Christi, vos secours sous Christi. D'accord, quand on fait l'exorcisme, les prêtres connaissent. Pas le matin de prêtres au Congo là qui connaissent rien. Les prêtres qui connaissent les choses connaissent que vos secours sous Christi, ça signifie vois la croix du Christ. Va de rétro, Satan. Va-t'en, Satan. Va d'essayer de mille. Va avec ton mal. Et c'est les formules que Saint-Antoine de Padoue faisait. C'est un grand mystique de l'Église catholique. Il a même ressuscité les morts. Il faisait des choses incroyables. Et quand il faisait des exorcismes pour chasser les démons, il disait vos secours sous Christ. C'est-à-dire que vois la croix du Christ, fuis puissance ennemie. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et le démon sortait. Finalement, Makwakoma, qui voulait être prêtre, avait fait une formation pour être prêtre, et qui va entendre qu'il y a quelqu'un qui est en France qui fait des mouvements pour l'égalité de l'homme noir avec l'homme blanc. Il va démissionner. Il dirait, je ne serai plus prêtre. Je veux suivre Matua. Mais il n'avait d'abord pas jamais rencontré Matua. D'accord? Et il faisait des miracles. En dehors de lui, il y a aussi un qui faisait les mêmes choses, qu'on appelle Lassi Zéphirin. Lassi Zéphirin à point noir aussi faisait quoi comment? D'accord? Voilà. Et lui, il a créé d'ailleurs ce qu'on appelle le christianisme prophétique céleste noir. Le mouvement de Lassi Zéphirin. D'accord? Lui aussi faisait croix commun. Donc, à Point Noir, il y avait Lassi Zéphirin qui faisait aussi ses miracles. Croix commun, croix commun. Tout ça, lui, il faisait avec l'eau. Il va prendre l'eau, il va bénir. Et à place de l'eau, il va dire croix commun. Mais pourquoi il faisait ça? Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il a copié Malandama croix commun. D'accord? Donc, il va créer aussi son. Malandama va lui dire, mais non, tu n'es pas obligé de faire la croix, tu peux même faire l'eau, c'est la parole qui fait l'action. Donc lui aussi, il faisait boire nos pauvres mamans de bidons comme ça. Croix commun, commun, croix commun, commun. Le sorcier va tomber. Lui aussi, là-bas, les villes aussi croient que Lassi Zéphirin, c'est un grand prophète libérateur. Des vrais comédiens, ces gens-là. Du coup, Matua vient trouver ce mouvement-là. Il va chercher à restructurer son mouvement, mais impossible, quoi. La chose a déjà trop évolué. Exactement. Il va leur dire, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et Mathieu a été franc-maçon, si vous voulez, c'est prouvé. Mathieu a été franc-maçon. Pourquoi Mathieu a été franc-maçon? Mais parce qu'il a fait la campagne de ses sénateurs. Il a dit, moi, je suis franc-maçon. Si vous me dites que vous voulez un Dieu noir, mais un Dieu noir n'existe pas. Dieu, il est esprit, il n'a pas de couleur, il n'est ni noir, ni jaune, ni rouge. Mais chaque peuple a un envoyé spécial que Dieu envoie pour libérer son peuple. Mais cet envoyé n'est pas Dieu. Cet envoyé est un envoyé de Dieu. C'est comme la race blanche a eu Catherine de Sienne, a eu Jeanne d'Arc, a eu ceci. Chez nous aussi, on a eu, il y a quand même en RDC, vous connaissez, vous avez entendu parler de, vous entendez Kimbangu, il mène le combat là-bas, c'est un envoyé de Dieu. Et moi, si vous voulez, considérez-moi comme un envoyé de Dieu pour vous, mais pas ça, je ne veux pas ces termes-là. D'accord? Makwakoma va dire, non, ces gens-là, on l'a vendu. C'est pas ce.
Il a changé de langage. Il a dit tête-tête. Tégele, tégele, tégele. Tête-tête. 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 Voilà. Donc, il dit c'est un traite. Alors, il s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se faire? Bah, tu vois, il va commencer à militer, 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 mais ses idées ne correspondaient plus avec le courbeau. Alors, Mathieu avait laissé une femme blanche en France, enceinte. Mais les Corbeaux disent que non, nous, c'est les Noirs et les Noirs. Quelqu'un qui va épouser une femme blanche, c'est un traite. Mathieu va se dire, mais, oh, mais qu'est-ce que ces gens-là? Sans se rendre compte, ils étaient en train de prôner aussi le racisme. Ce que lui, il combattait, Mathieu. Vous connaissez Malunga Mambala? Malunga Mambala. Malunga Mambala, oui, je l'écoute. Ouais, un aventurier comme ça, point noir, qui dit que c'est lui l'incarnation de Mathieu André, le sauveur de la race noire. Mais il y a un de ses disciples à qui on a posé la question à la télé. Il dit, non, moi, je suis le... Malunga Mambala est le sauveur de la race noire. Il dit, mais pourquoi Malunga Mambala ne veut pas être le sauveur de toutes les races? Oh non, parce que seulement la race noire. On lui a dit, donc, t'es raciste. Oui, je suis raciste. Il a dit ça à la télé, Congo. Je peux vous trouver les... Lui, les... pensait que le mot raciste, c'était un beau mot. En fait, il croyait que dire qu'il est raciste, ça veut dire qu'il aime sa race. Alors que c'est un monsieur que même au Congo-Kala peut foutre en prison. Il va, exactement. Il va pas à la télé nationale aller dire qu'il est raciste. On peut le mettre en prison. Bon, non, peu... même pas ça aussi. Mais on ne peut pas exalter la haine des autres races parce qu'on aime sa race. Bon, c'est, voilà. c'est condamnable. Voilà. Allez, on va se perdre parce que on va finir l'histoire. Non, voir... c'était une parenthèse. On ne va pas trop s'élargir. Ouais. Parle-nous rapidement un peu de la mort de Matsua quand on va rentrer dans d'autres religions. Ben oui, c'était pour rigoler. Après, quand on va comprendre Matsua, à la limite, même sans que je juge ces religions-là, vous-même, vous allez comprendre qui sont ces aventuriers. D'accord? Exactement. Et Matsua va venir, il va dire, oh, il va trouver Bouetambongo. Bouetambongo était là-bas à Brazzaville. Qui attendait Matsua? Ils attendent qui? Le Messie. Bouetambongo qui était aussi Congo, c'est ça? Congo. Voilà. Congo. Il va trouver les Bouetambongo et tous ces héros-là. Quand ils débarquent, ces gens-là ont dit non, 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 Matsua, il nous a menti. Soit que quand il a envoyé des courriers, il était bon, mais maintenant là, c'est un vendu. C'est ce que j'appelle le syndrome Congo. J'ai un livre comme ça que je suis en train de finir, le syndrome Congo. C'est quoi? Quand on va te catégoriser, malgré le bienfait que tu faisais, le jour qu'on va te voir avec leur ennemi, tu es devenu d'office leur ennemi. C'est ça les Congos. Au-delà même de ça, j'aimerais préciser quand même, parce que ce que tu dis, c'est important. Il y a un mauvais jugement qui est souvent réalisé par nos compatriotes. Au-delà même de la visibilité de ta personne avec l'ennemi ou avec la personne qui est haïssable à leurs yeux, mais il y a certaines personnes qui ont la plaisance même d'inventer des choses pour que la jugeote que les gens devraient réaliser sur ta personne puisse être simplement une aberration. Ça aussi, c'est le syndrome des Congolais, c'est-à-dire quelqu'un se réveille, il voit M. Nsangou est plus intelligent que lui. Il voit M. Nsangou connaît notamment plusieurs choses qui peuvent faire à ce que les gens puissent lui faire des hurrahs par jalousie, par haine et sans doute aussi par l'ignominie. Ils peuvent se lever comme ça, décider que M. Nsangou, c'est un faux religieux. M. Nsangou, c'est un Congolais qui est contre le progrès du Congo. M. Nsangou, c'est un jeune qu'on doit notamment abattre. Ça, c'est le syndrome du Congolais, c'est-à-dire la jalousie, la haine et sans doute les babioles qui tourbillonnent dans notre pensée. Nous sommes en train de réaliser cela comme étant un bon penchant. C'est ce que je tenais vraiment à ajouter. Hein. Faut pas l'ignorer. Faut pas l'ignorer, mon frère. Voilà. Mais c'est votre avis qui ajoute en fait, ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est vraiment le syndrome Congo, voyez, et ça n'a jamais changé. Hein, ça n'a jamais changé. Si pour faire une parenthèse, qui avait vendu, qui avait trahi l'abbé Philobert Youlou? C'est les Bakongo. Ah. Les Bakongo le trahissent par leur mauvaise jugeote parce qu'eux, ils pensent que le monsieur a changé, le monsieur est rentré dans un langage
qui n'est plus élevé selon eux. D'accord. Bon, voilà, on va, c'est vraiment une parenthèse qu'on faisait. C'est pour dire que le syndrome congolais, c'est ça là. D'accord? C'est ça. À la limite, Matoua avait été trahi. Pourquoi? Parce que ces éléments-là commençaient à voir Matoua suspect. Parce qu'eux voulaient le radicalisme, en fait. Eux voulaient le radicalisme. Parce que Matoua ne voulait pas le radicalisme, Matoua voulait le Kintuadi, comme avait prêché Simon Kimbangu. Simon Kimbangu disait, continue à lire la Bible en 1921, en Bassam, je répète ça tout le temps. Continuez à lire la Bible. Vous attraperez le voleur avec l'objet qu'il a volé. Kimbangu disait, Kintuadi, un sauveur viendra qui créera un Kintuadi. Kintuadi, ça veut dire ensemble. Matua aussi, il disait, il a créé l'amical, l'amitié. Mais les Corbeaux croyaient que l'amitié, c'est l'amitié Congo, que Matua venait pour reconstituer l'Empire Congo. Et donc, l'Empire Congo, c'est quoi? Les Mbochi ne sont pas les Bakongo. Donc, nous ne voulons pas de ces gens-là. D'accord? Et c'est vrai, les Mbochi ne sont pas d'origine Congo. C'est-à-dire que tout le nord du Congo viennent de la Centrafrique, d'autres viennent du Bénin. Vous comprenez? Je Voilà comprends. pourquoi il y a des gens qui disent que là, Sassou, c'est un Béninois. Mais non, c'est leur lignée. C'est comme les Bakongo, les Lari, par exemple, du Congo, les Bantoundi, mais ils viennent de la RDC. Donc, est-ce qu'on peut aussi dire que non, les Bantoundi, les Barangala, les Badondo sont les Bayombé? C'est ça l'ignominie, l'aveuglement qui règne dans ce milieu-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mathieu va leur dire, non, moi je veux l'amical. Le nord, le sud, l'est et l'ouest, nous devons être ensemble. Malonga m'a dit, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Oh. Mais tout, nous, c'est pas ce que nous voulons. Nous, c'est le Congo. Qu'on prenne encore les nordistes, qu'on prenne encore même les blancs. Ah oh non, là, finalement, il y a que c'est. Matoua dit, mais on aura même les blancs dans l'amicale. Pourquoi Matoua va dire qu'on aura les blancs? Parce que sa femme était française, parce que M. Perrault, l'avocat là qui était ministre des colonies, était lui, l'avocat de Matoua. Mais Malonga Makula Kouma dit, niet, l'Afrique aux Africains. Les Noirs dirigeants, les Noirs, on n'a pas besoin des Blancs. Ils doivent partir. Nous, l'indépendance que nous voulons, c'est une indépendance où nous allons chasser les Blancs. Matoua dit non. Il faut que les Blancs soient ici. Ils vont construire des écoles, ils vont construire des orphelinats, ils vont construire des goudrons, ils vont construire des chemins de fer. Vous ne pouvez pas le faire. Les Boitambongo, les Malanda Makorakoma, non, 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 non. Pas ça. Pas ça. Et au même temps, en RDC, il y avait aussi ben, Simon Kimbangu, qui lui avait été tué très tôt, malheureusement, arrêté, il ne pouvait plus enseigner. Il y avait aussi un mouvement qui s'élevait au nom de Kimbangu sur le radicalisme. Sur le radicalisme fondé par rapport à ce qu'on avait brûlé Kimpavita. Parce que les missionnaires blancs avaient brûlé Kimpavita enceinte. Et Kimpavita disait le jour en 1706, le 14 juillet ou le 7 juillet 1706, on l'avait brûlé. Il avait dit, vous me brûlez, c'est pas grave, je vais mourir. Mais dans la spiritualité Congo, dans ma spiritualité, quand on brûle une personne, le feu représente la révolution. Donc si vous me brûlez, à la limite, la révolution va continuer. Et moi, je vais être le King Kodi. Le King Kodi, ça veut dire la victime. Si vous me brûlez, à la limite, comme disait Tertullien, le sang des martyrs, c'est la sémence des chrétiens. Moi aussi, vous me brûlez, je vais tuer. Mais de mon cordon ombilical naîtra un enfant qui viendra, lui, continuer la mission que je veux faire. Et c'est Simon Kimbangu qui était né. Et on va rappeler à ma soeur André, finalement, vous avez bien mieux. Tu connais pas les choses. Est-ce que tu connais qu'on avait brûlé Mathieu, on avait brûlé Kimpafita? Est-ce que tu connais que Simon Kimbangu avait mis dans un fût, on l'avait jeté dans l'eau? Est-ce que tu connais que Simon Kimbangu avait vécu ceci? Et toi, tu nous dis que ton amical, là, il y aura même des blancs. Ah non! Non! Le syndrome, le syndrome. Jamais! Le Jamais! syndrome Congo. Jamais! Et en même temps, il y avait des jeunes intellectuels au Moyen Congo, des Yombi au Pongo, ces gens du Nord. Mathieu a dit, on va prendre tout le monde, on va former un collectif.
Les nordistes aussi, oui. Oh, Macron, comment dire, non. Niet. Niet. Parce qu'en fait, le problème, c'est lequel? Il y a un mouvement Congo, par exemple, Mwanatsemi, il veut la reconstitution du royaume Congo. C'est-à-dire que notre empire Congo redevienne comme à l'époque. D'accord? Bon, lui, au moins, il est dans le bon message. Mais avant lui, il y a un enfoiré qu'on appelle Mbuta Nkusu, qui lui interprète mal les idées. C'est le monsieur que vous voyez ici. Lui-même a été formé par Mwanatsemi, en vrai. Mais quand Mwanatsemi a commencé à dire que Jésus, c'est un grand maître, il dit, oh, comment tu appelles Jésus un grand maître? Oh, mais c'est... Il dit, non, 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 il a démissionné de Mwanatsemi, il est parti créer son propre mouvement qu'on appelle Vuvamu, Vutuka, Vumvutazaku, c'est-à-dire que reviens vers tes ancêtres. Et c'est un radical. Chez lui, Jésus... Alors, Non, on c'est un finit... radical Excuse-moi, qui n'accepte pas Jésus. On va finir l'histoire du matoir, comme ça on va rentrer finalement, excusez-moi, en 30 secondes, sinon on va se perdre, on n'était pas concret. Donc du coup, Madanda Makwakoma va commencer à prendre Mathieu André comme un homme à abattre, comme un homme à trahir, parce qu'il ne sert pas leurs idées, à la limite, il est venu leur mentir. En même temps, Mathieu, pendant qu'il va mener le combat, il avait déjà beaucoup d'antécédents judiciaires. Vous connaissez, il est passé de Mathieu André à Mathieu André, à tout ça. Donc un dossier très lourd. Et pendant qu'il va mener ce combat finalement de l'indépendance, chercher l'indépendance du Congo, les Français vont dire, mais ce monsieur-là, combien de fois il va nous mentir? Il nous a dit qu'il va créer l'amicale, quelquefois il demande l'indépendance, quelquefois. Et les idées de Mathieu ont été mal véhiculées par ce Bouetambongo, par les Mabialamanganga, par les Mabialamankenke. Vous comprenez? Parce que eux, ils étaient les résistants à l'impérialisme colonial. Vous savez, on a étudié ça en troisième dans le Moyen Congo, la résistance au Moyen Congo. Or, Mathieu ne voulait pas de cette résistance. Mathieu voulait d'une résistance pacifique, d'une résistance intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut présenter les choses et nous demandons un député au Parlement et nous allons obtenir notre indépendance sous les voies pacifiques. Mabialamanganga, qui était de Mindouli, on va se dire de toute façon, Mathieu n'est pas de Mindouli, Mathieu est de Kinkala, le tribalisme. Mathieu est de Kinkala, le poumon du Congo, c'est Mindouli, c'est pas Kinkala, c'est un homme à abattre. Le conflit viendra entre les gens de Kinkala et les gens de Mindouli. Ce conflit existe jusqu'aujourd'hui, vous savez? Jusqu'aujourd'hui. Les leaders de Kinkala ne sont pas acceptés à Mindouli et les leaders de Mindouli ne sont pas acceptés à Kinkala. Et tout ça est provoqué par quoi? Par l'administration française qui avait mis le poule. Leur chef-lieu, c'est Kinkala. Oh, le poule, leur chef-lieu spirituel, c'est Mindouli. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a aussi un problème avec Boko, non? Si je ne me trompe pas, non? Voilà. Donc vous élargissez. Il y a aussi les gens de Boko. Mais les gens de Boko sont des neutres, en fait. Ils n'ont pas. Ah. Les gens de Boko. Ils sont pas dans la colère, hein? Non! Boko, c'est un territoire très mystique. Il y a beaucoup de spiritualité à Boko, tout comme il y a beaucoup de spiritualité à Mindouli. Mais à Kinkala, il n'y a rien. D'accord? Donc, Mathieu André a été porté par les gens de Mindouli. Parce que Mathieu a été enfant de cœur à la paroisse Sainte-Barbe de Mindouli. D'accord? Il était enfant de cœur comme ça, enfant de cœur catholique, Mathieu. Donc, Mathieu a eu la bénédiction des gens de Mindouli. Du coup, ils ont dit, bon, cet enfant, apparemment, Kenawabetoko. Il ne rigole pas quand ils disent Kenawabetoko. Hein? Ce n'est pas notre enfant. De toute façon, il est de Kinkala, il faut le vendre. Et Mathieu va se faire des ennemis. Le premier ennemi, c'est Malonda Makakoma. Quand on va arrêter Mathieu André va maintenant mettre en exergue son côté spirituel. Quand on va l'arrêter, il va faire les invocations, il va disparaître. Quand on va le mettre en prison, il va se dédoubler, il va sortir. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant appris ça. Auprès de qui? Mais auprès de son mystique Congo, auprès de cette initiation Congo. Il a maintenant accepté de se faire initier. Donc, un intellectuel qui va être initié ne va pas agir de la même manière qu'avec un Aliboran, pour aimer votre terme, qui n'est pas initié. D'accord? Matoua, il était franc-maçon, il va dire, bon, je vais savoir comment manipuler ces gens-là. Il était à la fois franc-maçon et Congo. Il était à la fois pour les Blancs et pour ceux-ci. Makoma, il va dire, ah, oh, celui-là, je ne le vois toujours pas clair. On doit simplement le tuer.
D'accord? Donc la mort de Matsuwa va être déjà réfléchie au sein même de Au ses sein même propres camarades, de son clan. Après, de au son même clan. temps, en 1940, 1935 et 1941, la guerre va commencer, non? Oui. La Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Or, Matsuwa ne pouvait plus revenir en France. Parce qu'il avait maintenant ce fichier S. Il est rentré du Mystique au Mans, il était bloqué. Il entend comme ça la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, vous savez que De Gaulle est venu au Congo. La conférence du Brazzaville. Si vous libérez la France, Brazzaville sera la capitale de la France libre. Matsuwa dit donc, je serai français. Ah, je vais rassembler les gens. Tous les mystiques là qui me disent ici qu'ils sont mystiques, qui peuvent transformer les Ndika en bombes. Mais venez finalement vous battre, allons nous battre. D'accord? Donc Matsuwa va vous mobiliser. Il dit, moi je connais qu'on ne va pas prendre chez nous, les Français font confiance aux Sénégalais, le tirailleur sénégalais. Donc, comme moi, je connais bien le Sénégal, on va s'enrôler. D'accord? Et Matsuwa va encore accepter de venir se battre pour la France. Vous voyez la grandeur de l'homme, les gens qui vont de Mali. Malgré que ce pays a réalisé des épines dans sa vie, il va toujours accepter de défendre ce pays. C'est vraiment de la grandeur. Voilà pourquoi Matsuwa, c'est un grand saint. Pas un dieu, mais un grand saint. Un grand esprit. Il va dire, je vais aller battre pour la France. Il a mobilisé, parce que comme il était écouté. Mais le Makoukouma, c'est ce que Makoukouma dit, oh, moi, aller me battre pour la France. Oh, jamais de la vie. Baba Wanda, s'ils vont le tuer, qu'on les tue là-bas, moi, je n'irai pas me battre. D'accord? Il a les Boitambongo dit, non, 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 Matsuwa. Donc, à l'apparemment, tu es vraiment français. Tu nous as menti, tu es français. Si tu vas te battre pour la France, Devenu si tu vas te battre pour la France, tu ne retournes pas au Congo, tu nous laisses notre mauvais monde, tu es un traître. Matsuwa leur dit, écoutez, si nous nous battons pour la France, De Gaulle a dit ici que nous serons la capitale de la France libre. Il dit, ça veut dire quoi? Et comme ils n'ont pas étudié, ils ne comprennent pas trop. Capitale de la France, ça veut dire quoi? Il dit, écoutez, ça dit qu'on sera des Français, mais des Outre-mer. C'est-à-dire qu'on est des Français, mais comme Guadeloupe et tout ça, hein, pour expliquer les gens. On aura le statut comme des Français. Donc, on m'a dit, mais même Français, ici, là, tu vois, je n'ai pas envie d'être Français. Mais dis quoi, qu'ils nous laissent notre pays. Nous, on ne veut pas de ces gens-là ici. Nous ont fait les trois fonds ici. Mais toi, tu n'étais pas ici. On était chicotés. Quand on a construit le chemin de fer, tu étais ici. Tu sais ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont vendu comme ils ont menti des gens. Ils ont donné du sel au rhum à coco. Le rhum à coco leur a donné des gens. Parce que, en fait, si vous savez, pourquoi les Bakongo n'aiment pas les Nordistes, c'est à cause de l'erreur de Makoko. Vous comprenez? Parce que le royaume Koko avait résisté. D'accord? Le petit royaume Luango, parce que Luango aussi était un royaume. Et qui était Luango faisait partie du royaume Congo. Voilà pourquoi les Vili sont les Bakongo. Les Bébé sont les Bakongo. D'accord? Du coup, parce que c'était leur royaume. Mais il y avait un autre royaume indépendant qu'on appelait le royaume du roi Makoko, le royaume Téké. Et ça venant de Brazza, quand il est venu, il a cherché à corrompre le roi, les adeptes du royaume Congo. Il n'a pas pu. Il est parti vers le roi Makoko. Et le roi Makoko, simplement avec un petit miroir, le mec s'est vu sur le miroir, il était trop content. On lui a donné du sel. Il a mis dans sa nourriture, il a compris. Oh, du diable, il se met les goûts. Qu'est-ce que vous voulez? Oh non, il faut. Nous voulons que nous puissions vous coloniser. Enfin, la marche en arrière, c'est une parenthèse. Et c'est Makoko qui avait signé le contrat, non? Avec. Oui. Wow. Avec Lamine, comme Avec. traducteur, un Sénégalais. On ne sait pas, le Sénégalais, s'il parlait Pourquoi téké, on rêve. le Sénégalais? Parce que le Sénégal était développé. Lamine était un grand franc-maçon, un grand évolué. Il a dit à Makoko, ils veulent en finir, vous développer. Makoko, ah, ils ont bon goût, ah, bon, bon, hein. Donc maintenant, le côté Congo s'est dit, oh, les Nordistes là nous ont vendus. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les Bakongo, avec les Nordistes, il faudrait que nous autres là, bon, pas moi, je ne vais pas me faire l'orgueil, il faudrait qu'on rétablisse l'histoire pour qu'on Exact. comprenne d'où est venu ce problème-là. Ce problème qui D'accord. risque même de nous diviser bêtement dans l'avenir.
Mais ça nous divise, non? On est déjà divisé. Parce que. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis Congo. Si je vais prendre une femme Boshi, il y aura. Mon papa, lui, il est un intellectuel. Mais mes grands-parents là-bas à Mindouli, au fond de Mindouli, ils vont me prendre pour un traître. Pour un traître, ouais. Ils vont me dire, mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Les Nordiques, tu ne protèges pas la lignée ethnique. Non, non mais, ils vont me dire, les Mboshi viennent bombarder ici, ils viennent bombarder le pool, toi, tu vas aller prendre une femme Mboshi. Alors qu'ils ignorent que dans l'armée, il n'y a pas que les Mboshi. Hein. Maintenant, Fouba, qui est le président de l'Assemblée nationale, et c'est un du pool. Quand on vient bombarder son département, il n'ouvre pas sa bouche, Fouba. Fouba, c'est pour Congo, non? Ça, c'est vrai. Et l'homme en Pouya, il a une belle maison à Kinkala. Quand on bombarde le pool, pourquoi il parle? L'on se livre là. Un peu à ces discussions parfois bêtes là qui nous divisent d'une manière sans doute ignoble. Donc, restons sur Donc, après, André Matsoua. L'idée n'est pas vraiment de faire le film de Matsoua, mais je vais conclure. C'est que Matsoua. Voilà ce que je voulais dire. Matsoua va venir se battre pour la France. La guerre va faire de 1935 à 1945. La guerre va finir, la France sera libérée. Et normalement, on nous dit, par exemple, le soldat inconnu de l'Arc de Triomphe. Bon, normalement, d'autres disent que c'était Matsoua. Vous voyez, le soldat inconnu qui allumait son feu là. En fait, c'est Matsoua qu'on vénère. Hein. Ben, ça, c'est une légende, c'est pas prouvé, mais c'est Matsoua. Parce que c'est. Seulement Matsoua pouvait faire ces miracles pareils parce que c'est Congo. C'est-à-dire que tu allumes le feu, tu restes à côté, les gens passent, on ne te voit pas, c'est la fumée qui te cache dans la mystique Congo. D'accord? Et finalement, il va se battre pour libérer la France. La France sera libérée avec les tirailleurs sénégalais. Ils vont rentrer, ils vont être maltraités. Et jusqu'à aujourd'hui, le rôle de l'Afrique noire dans la Deuxième Guerre mondiale n'a jamais été valorisé. Matsoua va comprendre que la France l'a trahi. La France ne tient pas ses promesses. On les a libérés. Brazzaville n'est toujours pas la capitale de la France libre. Ça va le révolter encore. Il va dire, ces gens m'ont trahi. Bouéta Mbongo avait raison. Madame Kwakuma avait raison. Venez, on va maintenant les combattre. Kwakuma dit donc, ce monsieur-là nous prend pour ses enfants ou quoi? Un jour, c'est blanc et noir. Ah non. Et finalement, quand Matsoua va mener la révolution de l'indépendance, parce que c'est notre héros national, Kwakuma, on va arrêter Matsoua, on va lui mettre en prison à Kinkala, à gauche, à droite. Kwakuma ne va plus l'aider. Kwakuma va le trahir. Il va dire, si vous voulez l'aider, bon, je ne veux pas dévoiler ça parce que c'est la mystique Congo. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et on va arrêter Matsoua parce que c'est Kwakuma qui avait donné le secret comment tuer Matsoua. Un exemple, par exemple, un mystique Congo. Bon, je ne dirais pas ça, c'est notre mystique Congo, je ne dirais pas. Mais à la limite, quand vous prenez une balle, vous mettez ça. Vous prenez le. Bon, je ne dirais pas sinon. Tantu, mais vous, je ne dirais pas. Mais au moins, il y a des moyens où quand vous tirez sur quelqu'un, il ne meurt pas. Mais si vous faites ça, vous tirez, il meurt. D'accord? Oui, mais ce que tu ne veux pas dire, moi je vais essayer quand même d'ouvrir la brèche. Non, je te dirais. J'étais en Banzandunga. Bon, je vais dire ça au Mounoukoutouba. Je vais dire ça au Mounoukoutouba, d'accord? Bon, Mouvana en Banzandunga. À un moment, la guerre, Basimba, Leki à Willy Mansanga, le défunt là, le député. Basimba, Leki à Yadj. Il avait un nom là, Leki à Yandi. Leki à Willy Mansanga. Basimba, qui a dit. Là-bas, il y a un tout parce que on va suspecter Andy, net, si traître. On va passer l'information à Yayayandi. Maintenant, tu as Simba qui a un balle qui est à Yandi. On a tiré qui a un balle qui est à Kotave. On a tiré qui a un balle qui est à Kotave. Maintenant, on a un tout aussi. On a un mystique, Yoboshi. On a un tout qui a un tout mi. Yandi, on a un tout qui a un non! Mais on a tiré qui a un balle qui a un bim qui est à Yandi. Donc, il a fallu même battre tout le monde du boulot sous forme horizontale pour que ma prière et que je me tire à me couper. Donc, il existait. Voilà. Donc, c'est ça en fait, Matsoua. Et Matsoua a été vendu par Malanda Makwakuma, donc ses frères Congo et tout. Et là, finalement, c'était l'histoire. On comprend par là comment. Après, pour terminer, est-ce que vous savez, par exemple, que le fait que la France a pour totem le coq,
de l'équipe de France, ben c'est une mystique donnée par Matua. D'accord? Parce que la France ne se le qualifiait pas. Non, dis-moi la vérité, je ne comprends pas. L'effigie du coq. C'est un mystère que Matua avait donné aux Français. Ben oui. En fait, je vais vous expliquer. Parce qu'il faut suivre. Matua, je vous ai dit qu'il était devenu un grand allié de la France parce que son avocat de l'amicale était sénateur. Et la France ne se qualifiait pas pour la Coupe du Monde. Jamais la France ne se qualifiait pas pour la Coupe du Monde. C'était très difficile. Ah. Et la France, le Sénégal gagnait toujours la France. Vous le savez. D'accord. La France gagnait difficilement, même jusqu'à aujourd'hui, la France gagne difficilement le Sénégal. Alors, la France va jouer un match contre le Sénégal pour la qualification de la Coupe du Monde. Le Sénégal gagnera en France et c'est au tour de la France d'aller jouer au Sénégal. On a dit à Matua, Matua, toi tu es Sénégalais? Oui. Parce que Matua montait qu'il était Sénégalais. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on comprend que les Sénégalais là, apparemment, ils ont des mystères. Parce que quand nos joueurs vont jouer avec eux, ils sont toujours lourds dans le terrain, d'après ce qu'ils nous disent. Mais là, ils repartent encore là-bas jouer. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour que ces gens-là jouent? Matua leur dira, mais moi, je ne peux pas faire quelque chose ici. Parce que son grand maître, c'était Temalanda Makwakoma, de Bouetambongo, de Mabiana Mangara, de Mabiana Mankeke, qui avait le mysticisme Congo. Matua était un intellectuel. Il dit, si vous voulez, ramenez-moi au Congo, on va travailler le match là-bas. Et Matua, comme c'est un intellectuel, il dira que c'est lui. Il dira, je vais travailler là-bas parce que ici, je n'ai pas mes ancêtres ici. Je ne vais pas invoquer ici parce que c'est la Méditerranée. Les Syriens là ne me connaissent pas. Il dit, mais moi, tu vois, finalement, comment toi, tu es Sénégalais, mais tu parles du Congo? Il dit, non, 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 mais vous connaissez que le Congo a le deuxième fleuve le plus puissant au monde, le fleuve Congo. Donc, si on ne peut pas travailler à l'Amazonie, mais moi, je ne peux pas travailler là-bas, il faut qu'il y ait un fleuve africain. Après, ils vont l'amener au Congo. Ils vont l'amener au Congo. Ils vont travailler le match. Et vous connaissez, ceux qui connaissent la mystique Congo, on travaille le match comment? On travaille un match de football. Voilà. Bon, c'était une parenthèse historique, une parenthèse que nous avons réalisée avec zèle et sans doute aussi avec joie. Alors, on va parler de Émile, papa Émile. Qui est considéré dans notre pays comme étant une personne immortelle. Parce que selon ses adeptes, c'est quelqu'un qui n'est pas mort, il est toujours vivant. Il faut aller à une montagne ou quelque part où il est caché pour le voir. Comment tu peux expliquer un peu cette religion avant tout et ce personnage? Ma chère Levan, je constate que je constate que mon téléphone va couper là. Ah, voilà, problème de chargeur. Non, pas de chargeur. Que souvent, comme c'est iPhone 13, ça fait l'écho. Donc, à la limite, je te demande simplement de couper. Et de non, de couper, de relancer. Comme ça, je vais me connecter sur mon deuxième téléphone. OK. Que, sinon, on va se retrouver. Pour qu'on évoque la deuxième partie et la finition un peu. De notre débat. Sinon, ça va faire comme on a fait la fois dernière. Là, ça buguait, mais non. Voilà, on va couper. Coupe simplement. OK, merci. Voilà.